Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni et de Magali Berda. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un blogueur très populaire et Magali c'est la patronne de l'agence Shona Events. Comme vous le savez, Nabil et Magali ont eu de nombreux différends par le passé. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à une influenceuse. En effet, le célèbre blogueur n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'il trouve le comportement de l'ami de Magali inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre opinion dans l'espace commentaire. La famille, je vous fais un petit topo ce soir parce que ça fait 2 heures que je suis avec un informaticien pour essayer de récupérer une vidéo qu'on a supprimée dans mon téléphone. Ça devrait plus tarder et ce soir je vous explique, vous êtes pas prêts. La psychopathe, elle a essayé de me faire un plan. En me ramenant la police, ça s'est retourné contre elle. Qu'est-ce qui m'a fait de la peine, son père, skin. Vous allez voir. Famille, je suis très content, mais très très content de ma journée. Alors écoutez, je vais vous raconter maintenant. Donc, vous m'avez envoyé des messages en me disant, Nabil, est-ce que c'est vrai que tu as été arrêté? Absolument pas. La police est venue pendant que j'étais en train de discuter avec le père de Soraya, parce qu'elle leur a dit que j'avais une arme et que j'étais menaçant. Donc ils sont arrivés. Pendant 5 minutes, ils nous ont fouillé. Une moitié de mon équipe et moi, mais juste en face de la route, il y avait une voiture, pareil, en train de filmer avec les vraies caméras. Et j'avais un micro sur moi, donc tout a été enregistré. Quand le père de Soraya me dit à Wuldi, ma fille, elle est folle, c'est une hamka, j'ai dit à la police, Dewa, j'ai dit à l'hôpital, Dewa, ils veulent pas, ils me parlent comme ça. Et moi, donc je me tourne vers la police comme ça et j'y, même son père, il vous dit de l'emmener et vous faites rien. J'ai des centaines de plaintes. Elle pense qu'ils m'ont supprimé cette vidéo. J'ai tout. J'ai un micro sur moi pendant que son père me parle. La famille, elle a tellement rendu fou son père que son père, il m'a dit, j'ai fait un AVC à cause d'elle. Ma maison, regarde, elle est en vente, il m'a dit. Il m'a dit, c'est ma deuxième maison que je vends à cause d'elle. Je suis, il m'a dit, tous les 3 jours, il y a quelqu'un qui vient toquer. Tellement il en peut plus. À la fin, il m'a fait de la peine. J'ai commencé à avoir les larmes. Je lui ai fait un bisou sur la tête. Donc, quand elle vous dit que c'est fait arrêter, c'est pas vrai. Sachez que quand moi, je suis reparti, la police, elle est restée avec eux là-bas. Donc, j'ai été arrêté quand? Maintenant, elle se dit, oh merde. Mon père, il a pas géré. Il a pas fait ce que je lui ai dit de faire parce que faut savoir que son père m'a appelé hier en me disant, oui, on m'a dit que t'allais venir et tout, machin, nanana. C'est elle qui lui a demandé de m'appeler. C'est ce que je vous ai dit ce matin. Maintenant, elle entend son père qui me dit ça. Ça l'a fait péter un câble. Parce que moi, je vous dise qu'elle est folle, c'est une chose. Que les gens, plein de femmes vous disent elle est folle, elle m'a arnaqué, c'est une chose. Que son propre père dise elle est folle, j'en peux plus, j'ai dit à la police, ramenez-la, déoua, j'ai dit à l'hôpital, déoua, ils veulent pas. C'est complètement autre chose. Madame, elle s'est dit quoi? Faut que je trouve quelque chose pour pas que Nabil y sorte ça. Elle a appelé ma mère. Elle a appelé ma mère, elle lui a dit « Oui, votre fils !» Ma mère, elle lui a dit « Écoute, je ne parle pas avec vous, ça ne me regarde pas, au revoir, bonne soirée. » Elle a raccroché. Est-ce que tu penses, tu crois, quand bien même, tu crois que ma mère à moi, ma mère, elle connaît son fils. Hein. Moi, si demain, je suis fou et que je fais autant de mal, c'est ma mère qui me fait enfermer ou qui me fait tuer. Ma mère, elle dira jamais aux gens « Mon fils, il est fou, j'en peux plus, moi, je fais que du bien autour de moi. » Toi, pour que ton propre père en arrive à ça et les gens vont le voir, caméra, à l'appui, micro, voix à l'appui. Tu vas dire quoi? Tu vas trouver quoi comme excuse à ça? Ensuite, et je vais terminer là-dessus, et ensuite, soyez patient. Je vous demande d'être patient que ma vidéo sorte. Arrêtez de m'envoyer des messages. Laissez-la dire ce qu'elle veut. Vous verrez. Dernière chose. Oui, Nabil, t'as dit qu'elle était recherchée Interpol. Et là, tu dis que la police, elle est venue. Les gars, j'ai pas dit qu'elle était recherchée Interpol. Je vous ai partagé un article de RTB. Je vous ai partagé des articles belges. Je vous en ai partagé 2, mais il y en a 30 qui sont sortis cette semaine parce qu'elle ne s'est pas rendue à son procès où elle devait beaucoup d'argent à une 50aine de victimes. Ses propres avocats se sont retournés contre elle à ce procès-là. Et le procès, il était il y a quelques jours. Donc suite à ça, toute la presse belge s'est mise à refaire des articles sur, et à relater tout ce qu'elle a fait. Donc
c'est pas moi qui me suis trompé, c'est l'article qui s'est trompé. Si elle n'est pas recherchée à Interpol, tant mieux pour elle. Mais vous me dites, Nabil, t'as dit, j'ai pas dit, je vous ai partagé un article belge. Ce n'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps de la presse belge quand même. Autre chose, les policiers qu'elle avait appelés pour leur dire port d'armes, au bout de 5 minutes, quand ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'armes et que je leur explique qui je suis, ce que je suis en train de faire, que je leur montre les vidéos des victimes que j'ai vues hier, etc., etc., en 5 minutes, vous allez entendre ce que la police dit de Soraya. Surtout les policières, il y avait 3 policières. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis bien avec M. Nabil, non? Vous êtes bien avec M. Nabil? Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il y a quelqu'un c'est quelqu'un qui m'a dit que vous allez me... Vous voulez me voir? Depuis ce matin, j'attends. Pourquoi? Et je vous ai pas vu. Pourquoi? Qu'est-ce que vous êtes? Pardon? Alors, quelqu'un vous a dit que je voulais vous voir et vous m'attendez depuis ce matin, mais je ne suis pas venu? Oui, c'est ça, oui. Alors, pour le coup, vous pourriez peut-être vous présenter, comme ça je pourrais vous dire si c'est vrai ou pas. Je suis le papa de Soraya. Ah, alors oui, en effet, mais non, j'ai pas dit que je venais aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois rencontrer, j'ai une 60aine de personnes à rencontrer, des victimes que votre fille a arnaquées. Donc là, je suis en plein rendez-vous avec une des victimes. Et ça n'arrête pas depuis ce matin. Mmh. Enfin, j'ai énormément de personnes à rencontrer. Ici en Belgique, à qui Soraya a fait énormément de tort. Mmh. Et ensuite, c'est vrai que quand j'aurai fini de voir tout le monde, c'est vrai que je comptais venir vous voir. C'est vrai, monsieur. Mmh. Une 60aine de personnes. Tout à fait. Mais de toute façon, tout est filmé, donc je pourrais même vous montrer si vous voulez. Mmh. 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 Eh bien, je ne sais pas au courant de tout ça. Désolé, monsieur, mais à un moment donné, il faut vraiment stopper votre fille. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait. Elle impacte et elle rentre dans la vie des gens. غدا ان شاء الله في العشيه نعيط لك وندوز لعندك واخا في العشيه غدا ان شاء الله في العشيه وا ان شاء الله ان شاء الله واخا بس قلت لي سي با سي واش عارف شون استوار سافي Moi, je suis très très connu en France, en Belgique, au Maroc. La Belgique, Koula, elle m'a contacté. Rebda Minji Landek, je vais te montrer le nombre de messages, le nombre de personnes que j'ai vues. Et je vais te montrer ce que ta fille, elle m'a fait à moi. Alors que je lui ai fait que du bien. Là, la famille, je viens de vous partager une vidéo où c'est la psychopathe qui est en train de filmer et elle filme son père. Et elle dit à son père, appelle-le. Et donc, son père, Mskin. Il a eu une attaque il y a un an. D'ailleurs, il me le dit quand je l'ai vu tout à l'heure. Il me dit, j'ai eu une attaque à cause de Soraya. Vous allez l'entendre dans ma vidéo YouTube. Et donc, il fait ce qu'elle demande. Il a sa botte, en fait. Elle le traumatise, Starfallah. Vous auriez vu ce que j'ai vu tout à l'heure. C'était incroyable. Donc, il m'appelle, Mskin. Moi, à ce moment-là, je suis avec plein de victimes. Je prends leurs témoignages, je prends leurs plaintes, je prends leurs preuves de virement qu'ils ont envoyées, machin. Enfin, chacune, elle me raconte son histoire. Je prends en compte. À ce moment-là, le père m'appelle. Je suis avec les victimes. Donc, les victimes entendent que le père m'appelle aussi. Pourquoi elle dit à son père, appelle-le? Elle veut tâter le terrain. Parce qu'elle sait que ça fait 2 jours que je suis ici. Et elle sait que j'ai rencontré énormément de personnes à qui elle a fait des dingueries. Et elle se dit, là, ça va partir trop loin. Donc, je vous explique. Elle va tout faire pour que ma vidéo ne sorte pas. Mais c'est trop tard. Écoutez bien jusqu'à la fin de cette story. C'est la dernière que je fais avant ma vidéo YouTube qui sort. Elle sait comment je suis. Et elle sait que si tu me prends par les sentiments, tu me parles de religion, machin, je fonds. Et c'est comme ça qu'elle m'a eu la première fois. Je me suis embrouillé avec Poupette. Toutes les personnes qui me disaient, elle m'a fait du mal. En plus, elle a parlé de ma fille et de...
Oh, je devenais un chétan. J'ai appelé Poupette, je l'ai menacé, je l'ai incendié, Magali, tout le monde, tous les gens qui osaient lui faire du tort, avant que je me rende compte de son vrai visage. Un vrai diable, la famille. Donc là, elle dit à son père, essaie de le prendre par les sentiments. Vous voyez dans l'audio quand elle me dit, est-ce que je sais pas si tu connais sa vie. Je lui dis, oui, t'inquiète pas, Amine, je la connais très bien, sa vie. C'est elle qui lui a dit de dire ça. Parce que j'ai passé ce stade-là, tu peux plus me prendre par les sentiments. Là, il y a que les personnes qui ne la connaissent pas encore, mais qui vont bientôt la connaître grâce à ma vidéo, qui peuvent être pris par les sentiments. Et vous savez quoi? Ça me rassure en un sens parce que je me suis senti tellement stupide, mais au final, quand je vois tous les victimes et les gens là encore qui l'écoutent, je me dis, hamdoulé, c'est juste que c'est pas moi qui est stupide, c'est elle qui est forte. On peut pas lui enlever ça. Maintenant, je me réveille moi le matin, je me dis, cet après-midi, je dois aller voir le père de l'autre folle, puisqu'il m'a appelé la veille. Lui, il m'appelle à midi, il me dit, écoute, Wuldi, mon fils, ça te dérange pas, on annule le rendez-vous, ma tension, elle est montée et je suis à l'hôpital. Mais dans sa façon de faire, je le trouve trop bizarre. Donc, je cherche à me renseigner. Je contacte l'hôpital de sa ville qui m'explique sans grande surprise que, il n'y était pas. Mais je me dis, c'est bizarre. De base, il veut me voir et pourquoi il annule? Donc, je contacte une de mes sources qui m'explique, Nabil, j'allais t'appeler, ne va pas là-bas, j'ai appris que tu devais aller voir le père de l'autre folle, n'y va pas, elle va te faire un guet-apens, elle a appelé la police, elle est partie à la police en leur disant que tu l'avais menacée avec une arme à feu et que tu allais venir devant chez elle avec une arme. Donc en fait, demain, ils vont venir quand tu seras là-bas avec son père et elle veut prendre une photo et une vidéo pour mettre sur les réseaux. Une vraie Merci folle. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.